Je vous salue tout le monde et merci de m'avoir suivi sur votre chaîne Cuisine Marocaine. Et comme d'habitude, j'ai choisi pour vous une recette traditionnelle marocaine, un gâteau spécial au goût d'orange. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de le jus d'orange, 160 centilitres, 160 centilitres d'huile végétale, 120 g de sucre soumoule, les zestes d'orange, presque une cuillère à soupe, 2 œufs, levure chimique, 14 g, et enfin la farine de blé tendre spéciale de pâtisserie, la quantité juste pour ramasser la pâte. On passe à la préparation. Dans un récipient, versez les œufs, le sucre, les zestes d'orange, le jus d'orange, et huile végétale. Mélangez. Ajoutez la farine en petite quantité. Aussi la levure, je vais utiliser la main pour ramasser la pâte. Il faut qu'il soit bien mélangé, pas solide. Et comme j'ai dit, en ajoutant la farine en petite quantité. Après la pétrition, voilà la pâte. Elle n'est pas solide, elle est moue. Maintenant, dans la deuxième étape, on a besoin de eau de fleur d'oranger et le sucre semoule. Alors, je vais faire des petites boules. Suivez avec moi, de petite taille. Mettez-les premièrement dans l'eau de fleur d'oranger et ensuite le sucre semoule. Les voilà. Et mettez-les sur un plat du four. Et notre. Voilà. Premièrement, dans l'eau de fleur d'orange et deuxièmement, le sucre semoule. Ah, voilà. Et on termine toute la quantité.
À chaque fois, et pour que la pâte ne colle pas, n'oublie pas de huiler les mains. Ce gâteau est très délicieux, aussi fraîche et facile à préparer et réaliser. Préchauffez le four d'une température de 180 degrés, les deux parties en haut et en bas. Mettez les gâteaux, vous attendez juste le temps que la surface devienne craquelée. Vous éteindrez la partie en haut du four et vous la laisserez terminer sa cuisson et ne prenez pas beaucoup de temps.